يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد. عباد الله ان الذي لا يستطيع أن يواجه نفسه ويهزم أمام نفسه وشهواته فلا يستطيع أن يواجه النملة فكيف بالعدو وكيف بالشيطان celui qui n'arrive pas à lutter contre sa propre personne contre ses propres vices ses propres défauts

Une surate que vous connaissez tous, que les enfants connaissent. Une sourate qui ne comprend que trois versets, sur laquelle l'imam Shafii, dit: Une sourate sur laquelle l'imam Shafii nous dit: Si Allah n'avait révélé que cette sourate, pour montrer l'importance de la religion et de s'y cramponner, cette surat-là aurait suffi. Cette surat suffit avec ces trois seuls versets pour montrer l'importance aux musulmans de se cramponner à sa religion. C'est surat al-asr. Surat al-asr. N'est-ce pas que vous la connaissez Allah subhanahu wa ta'ala yuqsim wa man asdaq min Allahi qila Allah Azza wa Jal il jure alors qu'Allah Azza wa n'a pas besoin de jurer qui est plus véridique en propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala mais Allah dans cette surat jure par quoi par le temps le temps c'est zaman, c'est le temps c'est la création du temps et Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps dans cette surat là afin de montrer son importance car le temps qui passe et le prix pour aller au paradis. Et le temps que tu perds, ce sont des degrés que tu perds au paradis. Al-Hassan al-Basri, Allah disait, « Ya bna Adam, innama anta ayyam. Iza zahaba yaumun, zahaba ba'duk, aw bid'u mink. » Il disait, Allah Al-Hassan al-Basri, « Fils d'Adam, tu n'es en fait qu'une composition de quelques jours. » « À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui part. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi-même qui disparaît. » Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète, disait que jamais il n'a regretté quelque chose. Il a dit « Ma nadamtu fi hayati kama nadimt, fi shamsin gharabat, wa lam yazdad amali » Jamais je ne regrettais un jour comme je regrettais le jour où le soleil s'est couché alors que je n'ai pas évolué. Je n'ai pas évolué dans mes œuvres. Je ne me suis pas rapproché d'Allah ce jour-là. Car c'est un jour qui est, qui est irratra, irratrapable. Tu ne peux pas le rattraper. Tu as perdu de l'argent, tu peux t'en refaire. Tu as perdu du temps, le temps, tu ne peux pas le rattraper. C'est pour ça qu'Ibn al qayyim et d'autres nous disaient que la perte de temps, c'est pire que la mort, car la mort te coupe de la création, mais la perte de temps te coupe d'Allah. Taïb. Donc Allah subhanahu wa ta jure par cette sourate, dans cette sourate par le temps, al-Asr. Pourquoi jure-t-il? Innal insan alafir khusr. Allah subhanahu wa ala, nous dit, l'homme court vers la perdition. La langue française, bien qu'elle soit riche, wallah elle n'est pas au niveau de la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala ici dit inna et ensuite a rajouté l'âme tawqid. Inna l'insana la fi khusra. On peut dire l'insano fi khusra. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ici jure et appuie son serment par la particule inna pour montrer l'importance et ensuite la fissure de lam tawqid. L'homme court très certainement vers la perte, vers la perdition. Et le khusra, c'est quoi le khusra nous le Mubin, C'est le khulud au fil C'est l'enfer éternel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'humain, l'humanité, court vers l'enfer. Il la, elle mutasifa biha sifat al-arba'a. Sauf celui qui a ces quatre points-là. Il la, est ce qu'après il c'est la Allah. C'est la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ta nous dit que l'homme court vers la perdition. L'homme, il passe son temps à le perdre. Le temps qui passe, tu fais quoi, tes journées Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit, concernant les gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a cheminé en enfer Kunna alkha idrin. On entretenait des discussions inutile. On passait notre temps, à chaque fois on se réunissait. Vas-y, viens on se réunit, viens on se voit. Pourquoi faire Pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala Les c'était le Coran. Les moudjahs, c'était le Non, tout le temps pour de la perte de temps. « Kunna Donc Allah subhanahu wa nous dit, « L'homme va vers le feu, sauf il la ladhina amanu al-bahit anil haq Sauf ceux qui croient, ceux qui l Iman, ceux qui étudient le Coran, ceux qui étudient, qui viennent dans les mosquées pour apprendre la parole d'Allah subhanahu ta'ala, ceux qui ouvrent le livre d'Allah et qui l'étudient au quotidien. Ceux dont le Coran est le pilier central de leur vie. Sauf ceux qui ont la foi, la véritable foi. La foi en Allah, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala est l'élément central de leur vie. Et non pas juste quelque chose de si j'ai le temps, si j'ai le temps, je me consacre à, à l'adoration d'Allah Allah nous dit Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wallah, il y la hakeeqa c'est qu'elle est inévitable, c'est le mort. La mort elle est inévitable. Elle est inévitable, quel que soit le chemin que tu entreprends, tu te retrouveras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il t'a créé que pour l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé que pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa 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 alamin. ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont pour Allah Subhanahu wa ta, ta vie elle est pour Allah Tu respires pour Allah Subhanahu Aujourd'hui si tu respires, c'est pour te rapprocher d'Allah. Tu manges, c'est pour te rapprocher d'Allah. Tu bois, c'est pour te rapprocher d'Allah. Tu dors, tu te reposes, c'est pour te rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah est ta il créé pour l'adoration. Il t'a créé pour multiplier les bonnes œuvres. Alladhi ayyukum amala. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, de vous mettre à l'épreuve, de vous tester et de savoir qui d'entre vous est le meilleur en œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour que tu le connaisses, pour que tu saches qui il est. Allah subhanahu wa ta'ala dich alaikama wa minal ardi mityaun etanaz zalul amrubayna hun limada, l'italem Annallahi ala kulisha in Qadir. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre? afin que vous connaissiez Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afin que vous appreniez qui est-il. Que vous appreniez, que vous connaissiez, que vous sachiez la raison pour laquelle Allah Subhanahu wa Ta'ala vous a créé. Est-ce que c'est donc l'élément central dans ta vie Est-ce que le matin, lorsque tu te réveilles, c'est la question que tu te poses. Comment je vais me rapprocher d'Allah aujourd'hui? Ou alors c'est plutôt d'unia. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mon entreprise, comment je vais la gérer? Le travail, comment je vais le faire? Est-ce que tu te poses la question, comment je vais satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, tu es dans la perte de temps. C'est un temps qui est perdu. C'est une journée de perdu. 20 ans, 30 ans, 40 ans de perdu.

C'est l'acte à travers lequel on recherche la satisfaction d'Allah. Et également ce qui est en conformité avec la sunnah du prophète. C'est Salih. L'homme, lorsqu'il meurt, lorsqu'il décède, quel est son souhait lorsque l'homme meurt Qu'est-ce qu'il dit afin, Seigneur, renvoie-moi sur Terre. Pourquoi Afin que je fasse le bien que j'ai délaissé. Voilà, Allah est créé juste pour ça. Ya Allah, laisse-moi revenir sur Terre. Pourquoi J'ai raté la Coupe du Monde 2022, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas, pas terminé encore mon commerce. Je ne me suis pas encore marié avec la femme avec qui je voulais. Je devais avoir un enfant. et Allah, laisse-moi revenir sur terre pour le voir. Son seul souhait. Son seul souhait, c'est quoi Seigneur, fais-moi revenir sur terre. C'est tout, rien d'autre. Si je reviens sur terre, c'est juste pour ça. Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas, ne retarde pas l'échéance de quelqu'un une fois que cette échéance-là s'est présentée.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وسيت الله سبحانه وتعالى نجي et ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience ça c'est notre second rôle Le premier, c'est le rôle individuel, le rôle que tu dois avoir envers toi-même, parce que quand on parle de Jihad an-nafs, c'est De Jihad 9, de la lutte contre l'âme, contre les vices de ton âme. La lutte, ici, elle se résume par ces quatre points-là. C'est apprendre ta religion, la mettre en pratique. Ça, c'est la réforme individuelle. Ensuite, tu as ta réforme dans la société. Ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et ceux qui s'enjoignent mutuellement la, parole, la, la patience. En fait, chaque musulman lui est demandé d'avoir un rôle dans ce bas monde, de servir à quelque chose. Allah subhanahu wa t'a il a donné des compétences. Allah t'a donné des compétences. Certains sont des compétences dans les travaux, d'autres ça va être des compétences dans l'informatique, d'autres ça va être des compétences dans le droit, d'autres ça va être des compétences dans la médecine, d'autres ça va être des compétences dans la comptabilité, d'autres des compétences dans l'enseignement. Peu importe. Allah Azza il t'a donné des compétences. Cette compétence, comment tu la mets au service d'Allah Subhanahu Taala? Qu'est-ce que tu fais pour Allah aujourd'hui? Tu sers à quoi en fait? La question c'est, tu sers à quoi? Est-ce que tu n'es qu'un consommateur de religion, c'est-à-dire que tu arrives le vendredi, tu écoutes une khutbah parce que c'est obligatoire et après tu pars Ou est-ce que tu te dis non en vrai je suis un musulman et comme je suis un musulman, je vais avoir un rôle dans cette religion, je vais avoir un rôle dans ma communauté. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, guide-nous vers le chemin droit et moi je fais partie de ce « nous » là. Allah nous dit dans le Coran Et cette communauté n'est qu'une seule communauté. Cette communauté qui est plurielle, de diverses cultures, avec diverses langues, diverses origines. Elle ne forme qu'une seule communauté. Elle est réunie autour de la parole C'est une seule communauté. Moi je fais quoi pour cette communauté-là Moi je fais quoi pour cette communauté Eh, quand on vous appelle chaque jour à dépenser Fils Est-ce que vous pensez, sincèrement, après il y en a qui se le disent dans leur tête, bien sûr. Il y en a qui se le disent, qui des fois ils parlent entre eux. Ouais, mais avec cet argent-là, ils font quoi? Et ça, donne-toi bonne conscience. En te disant ça, en te disant quoi? Ouais, cet argent-là, il est partagé entre un tel, un tel et un tel. Ça, c'est ta langue et c'est ta balance que de mauvaises actions que tu, que tu remplis. C'est tout. C'est rien d'autre. Vraiment, est-ce que tu penses que les frères qui viennent ici qui sont là pour un projet d'école, ou alors pour un grandissement de mosquée, ou alors pour le forage d'un puits, ou alors, ils sont là pourquoi Ils sont là l'Illah Jalla ils sont là pour Allah Subhanahu Wa Ils ne tirent aucun bénéfice. Ils ne tirent aucun bénéfice de ces projets-là. Si ce n'est de se rapprocher d'Allah à travers ça. Mesdames, ceux qui ont fait l'application que vous voyez ici, sur, euh, avec les, les différentes horaires, ils se disent, voilà, Allah Azza wa il m'a donné cette faculté de, de créer des applications. Je vais créer une application pour la Ummah. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, on se sert tous de cette application-là. Chaque fois que tu regardes à quelle heure elle est la prière, c'est lui qui prend les Hasanat. C'est lui qui prend les Hasanat sur ta salat. Pourquoi Parce qu'il agit, Fils Il se dit Allah azawajal, il m'a donné telle compétence. Cette compétence, je la mets au service d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc toi, tu mets. c'est quoi ta compétence au service d'Allah subhanahu wa ta'ala Quand tu viens à la mosquée, qu'est-ce que tu mets au service d'Allah subhanahu wa ta'ala Billah alek réponds à cette question en toi-même. Qu'est-ce que tu mets au service d'Allah subhanahu wa ta'ala Rien, que dalle. Perte de temps. Innal Illa amanu qu wa Qu'est-ce que tu fais pour entretenir cette vérité-là Rien du tout. Rien du tout. C'est juste un simple consommateur. Et le consommateur n'est d'aucune utilité pour cette communauté. Le consommateur, il est d'aucune utilité. Il ne sert à rien. La Oumma, Yehroa a besoin d'hommes. Quand je d'hommes, avec un grand H, qui se, qui se lèvent pour leur dîne et qui sont jaloux de leur dîne. Wallah! Comment on peut réussir alors que. Comment on peut réussir alors qu'on délaisse la prière Nous on délaisse la prière Peut-être pas toi, mais nos enfants la délaissent. Nos enfants délaissent la prière Naam. Regarde, tous les jours on les met où nos enfants On les met où nos enfants tous les jours On les met dans des écoles Alhamdulillah, ils apprennent. Ok, d'accord. Mais salat, ils font comment ils rentrent le soir et ils rattrapent leurs prières pour les meilleurs d'entre eux. Ils rattrapent les prières pour les meilleurs d'entre eux. Donc nous, nos enfants, on leur apprend déjà, le prophète Aïssa nous dit à 7 ans, ordonnez à vos enfants de prier. Et nous, à 7 ans, voilà mon enfant, comment tu vas rattraper tes prières le soir. Donc c'est une obligation d'avoir ces écoles-là. Pour que nos enfants ne soient pas, dans, dans, ils, ne soient, ils ne fassent pas le choix entre l'instruction et leur spiritualité, qu'ils ne fassent pas le choix entre leur din, leur chemin vers Allah, subhanahu wa et également le rôle qu'ils doivent avoir dans le dunya. Et donc c'est un ribe, C'est un ribe de se dire que non nah, on est 300 000 musulmans sur Marseille et qu'on n'a que deux ou trois écoles. Ça, ça montre, voilà, si ça montre quelque chose. Wallah, si ça montre quelque chose, ça montre notre éloignement d'Allah. Comme quoi, on a, ça ça nous intéresse pas. ça. Les écoles, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a C'est bon, les écoles, pas les écoles. Tu n'en as rien à faire. Et le fait qu'on n'en a rien à faire, ils ont oublié Allah. Allah les a oubliés. Donc, il ne faut pas se plaindre c'est pourquoi Allah Azza wa Jali, nous a oubliés, pourquoi on est dans cette situation-là hier. Quoi. Parce que nous-mêmes, on a oublié Allah subhanahu wa ta'ala on a oublié nos priorités et l'éducation de nos enfants c'est la priorité l'éducation de nos enfants c'est la priorité même si tu as plus d'enfants à l'école ça reste tes enfants tu n'as plus d'enfants à l'école ça reste tes enfants qui sont à l'école tu n'as plus d'enfants tu n'es pas marié ça reste tes frères et qu'est-ce que tu fais pour eux qu'est-ce que tu fais pour eux et Allah. Comment on peut dormir Comment on peut dormir le soir en se disant que mes enfants ne font pas la prière à l'heure Dites-moi comment vous trouvez le sommeil. J'aimerais savoir. J'aimerais que quelqu'un y m'aide là-dessus à me dire comment on trouve le sommeil quand nos enfants ne font pas la prière à l'heure. Et vous vous attendez à quoi des futures générations Vous attendez que les futures générations ressemblent à quoi Elles ressemblent à ce qu'on a là maintenant. al. Il y a un jeune garçon, à chaque fois, il vient me voir la veille et il me dit Tu termines le Jumu'ah quand par rapport à l'école C'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Il me dit À chaque fois, il est soucieux du Jumu'ah pour faire le Jumu'ah et pour aller à l'école. Faites du ha pour ces enfants-là, qu'Allah les raffermise dans leur foi. Wallah, vous ne savez pas la violence que c'est d'être dans cette situation-là, d'avoir le stress chaque vendredi, de savoir comment je vais faire ma prière. اللهم نسأل اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك ارحم الراحمين وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين